Aujourd'hui, nous allons utiliser du canard de Kyoto ainsi que du koji en poudre de la société Yamato. Nous allons utiliser aussi des beets en garniture. Oui, suivant la technique, l'utilisation, chaque couteau a sa petite particularité, son histoire. J'aime beaucoup les couteaux. Quand j'étais apprenti, mes premiers achats, où j'ai mis mon salaire entier, c'est pour l'achat de couteaux japonais. Et voilà, donc la première partie, ce qu'on appelle le bateau, donc voilà cette pièce-là. Donc pour la suite de la technique, nous allons prendre une petite passette. Le shiokoji. Et ici, c'est la partie où il y a les os. Donc, il n'y a pas besoin de mettre du shiokoji. Il n'y a pas de sens. Mais là où il y a de la viande, c'est important de rajouter le shiokoji. Le koji. Shiokoji. Nous utilisons un linge léger. Et nous allons laisser reposer une nuit au frigo. Avant de le laisser reposer une nuit au frigo, je le badigeonne un petit peu d'un mélange de vin blanc et d'eau. C'est pour le laisser hydrater et que le shiokoji puisse avoir de l'action. Donc les cuisses. Nous y mettons du sel, des pétales d'ail, du thym, du laurier, du poivre. Et ensuite, nous le mettons dans de la graisse de foie gras. Oui, c'est une technique ancestrale pour pouvoir conserver les aliments plus longtemps. On pouvait faire du confit pour toute la famille, le garder pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et ensuite déguster petit à petit les morceaux de canard. Donc voici une betterave de la ferme de Noto. Nous allons la cuire au sel. Donc nous allons y déposer un lit de sel. Et nous allons déposer du sel tout autour. Alors oui, on cuit ça en croûte de sel, c'est une technique bien française. Je l'utilise très souvent, très régulièrement. Ça évite de faire bouillir le produit, ça évite que toutes les vitamines se retrouvent dans l'eau de cuisson. Ça garde toutes ses saveurs, ça garde toutes ses vitamines. Et ça assaisonne le produit, mais pas plus que ça. Ça cuit à l'étouffée, on va dire. J'ai récupéré le canard confit. J'enlève la peau. Je l'utiliserai pour une autre utilisation. Et voilà. Donc je vais utiliser cette partie que je vais couper en petits morceaux. Je vais ajouter du shoga, du gingembre, et je vais légèrement faire revenir avec de la graisse de foie gras. Un peu d'oignon confit. On va rajouter un peu de poivre du moulin
Pour la garniture du canard, nous allons utiliser des épinards que nous avons blanchis légèrement. Donc, nous allons les farcir de cette manière-là. Pour la sauce, nous avons coupé les os beaucoup plus petits afin de faire une sauce goûteuse. Donc, pour commencer, nous allons faire le jus de canard. Donc, nous allons prendre une huile d'arachide. Et nous allons les faire rissoler. Nous allons ajouter un tout petit peu de sel, parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Ah, ça commence à sentir bon, ça. Nous allons ajouter les légumes petit à petit. On va commencer par l'ail écrasé. Les échalotes. On va rajouter le thym. Un peu de poireau. Quelques petits morceaux de carottes. Ça sent super bon. Je viendrai manger ici. Là, on voit très bien, ça commence à accrocher. Là, ça, c'est les sucs de la viande qui commencent à accrocher à la casserole. Et là, on commence à avoir quelque chose de très, très bon. Cette sauce, c'est un jus. Et moi, je veux garder simplement le goût des os. Et il y aura le parfum de la graisse de foie gras. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter du vin, de rajouter d'autres choses. Ça se suffit. C'est très bon comme ça. Pas besoin d'ajouter. Juste rajouter de l'eau froide. Alors, c'est très important pour les jus, c'est de commencer à froid. C'est de commencer le jus, on le redémarre à froid. Là, c'est très chaud. Si je mets de l'eau chaude, ça va brouiller la sauce. La sauce, elle va devenir trouble. Et moi, je ne veux pas une sauce trouble, je veux un jus très clair. Donc là, doucement, ça va fondre, ce sera froid, ça va partir à froid et monter en température. Et nous allons ensuite le griller. Pas maintenant, nous allons le griller tout à l'heure. Alors oui, je ne veux pas que ce soit sous la flamme. Le canard a beaucoup de gras. Et puis, la cuisson est très délicate. La cuisson est très, très délicate parce qu'il y a beaucoup de gras. Le gras tombe sur les braises et ça brûle. Donc, c'est pour ça, moi, je ne veux pas que ça brûle plus que ça. Je veux que ça caramélise. Avec le shiokoji, ouais, c'est très délicat parce que le koji a déjà, donne une caramélisation assez poussée. Oui, voilà, c'est pour rendre la peau plus croustillante, pour que la chaleur aussi pénètre bien dans les chairs assez rapidement. Mais effectivement, c'est pour rendre la peau plus croustillante. Le but premier. Donc petit à petit, doucement, mais sûrement. La cuisine, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de travail, beaucoup de patience. Voilà.
Donc là, on a un morceau de viande. Et là, nous allons la laisser cuire doucement, très doucement, afin que la température rentre doucement dans la viande. Et on va la laisser reposer. Voici la betterave au sel. Donc là, nous allons casser la croûte de sel. C'est chaud. Alors, nous allons les couper tout simplement. On va faire des tranches. Un joli légume comme celui-là, il n'y a pas besoin d'artifice. Voilà. Et je vais couper pour faire une assise, afin de pouvoir garder le légume comme ça. Un petit peu de beurre, de gras, un peu à la française, on a besoin. Je vais les masser après avec du beurre. Je pourrais avoir le beurre, s'il te plaît ? Donc je vais mettre un petit peu de... Donc on a fait la sauce tout à l'heure. Donc là maintenant on va rajouter du vinaigre balsamique de Yamanashi. Un très bon vinaigre. Donc ça, c'est du sel de la Noto, donc de la préfecture d'Ishikawa, que j'ai découvert en voyageant dans cette préfecture. Donc voilà. Mon impression, c'est que j'ai un peu l'eau à la bouche. Je pense que ça suffit, non ? Ah, c'est bon, j'ai de la cuisson. La cuisson est, ouais. Est très très belle. Ouais. Ouais. La garniture, alors à l'intérieur de ce petit baluchon, qui fait d'épinards. Il y a donc les cuisses du canard qui ont été confites dans la graisse du foie gras. Ensuite une betterave, donc une betterave qui a été cuite dans une croûte de sel. Donc on l'a cuite entière avec la peau crue directement au four, rôtie pendant 1h30-2h. Et ça c'est une purée de kohlrabi. Donc le kohlrabi est une variété de petits navets, un navet japonais. Et une fois mis en purée avec le canard, ça va matcher sans aucun problème. Alors j'ai goûté votre purée là. Ouais, bon. Effectivement, très très tranquille. Ouais. Très bon. La viande est très très bonne. Ouais.